D'accord, venez là. Avance. Je viens aujourd'hui, il me dit viens avant hier. Reconnaissez-vous cette femme? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Je viens avant hier, il me dit que viens après demain. Le commissaire est parti en tenue. Hein? Vous êtes fort? Donc, allez. Allez, tu m'es bousculé. Espèce d'ivrogne, tu passes tout ton temps à boire. Et le drame, c'est que tu te balades comme ça, sans papier, absolument rien. Tu m'es bousculé. Viens. Bon. Le commissaire est parti en tenue. Le voici, parlez. Moi, je voulais... Sortez! Dites-moi, de quoi souffrez-vous? C'est-à-dire que ça me brûle. Qu'est-ce qui vous brûle? Ça me chauffe. Vraiment, hein? J'ai vu que... quand tu as les enfants... Est-ce que vous avez mal à la tête? C'est pas assez niveau. Prends ça. Prends ça, c'est-à-dire quoi? Prends. C'est combien? Prends. Mais quand tu as donné à Hélène, tu as parlé, non? C'est combien? Tu me dis de... Prends. C'est combien? Prends. Quelle est la couleur de vos urines? Si le vase est bleu, c'est bleu. Si le vase est rouge, c'est rouge. Si dans cette maison tu vas travailler, je vais manger. Ah bon, c'est ça? Tu as ma bonne, arrêtez! Bagarrer sans déchirer les habits. C'est le problème de qui? Combien de catégories de permis de conduire existe-t-il? Il y a la catégorie A1. La catégorie A2. Catégorie A3, il y a la catégorie A4, catégorie A5. Nous ne sommes pas dans la fonction publique ici, monsieur. Il disait qu'il a eu combien? 19,5 sur 20. Que son maître avait dit que quoi? Élève sage et intelligent. Comme sa mère. Lis-moi ici. Anglais. En anglais. 0,1 sur 20. En ce? Élève nuisible. La route a deux côtés. Un côté à gauche, l'autre côté à droite. Le rond-point, c'est le mariage de beaucoup de roues. C'est-à-dire, la roue qui vient du nord arrive là. Celle qui vient de l'est arrive là. Même l'autre qui vient du littoral arrive là. C'est ce mélange, ces rencontres-là qu'on appelle que rond-point. Hélène, c'est ton mari préféré. Ton amour de tous les jours. Le cœur est déchiré. Le cœur est bafouillé. Le cœur est embrouillé. Moi, je dis oui, que papa, tu as raison. C'était à Boumsi qu'on rejetait le jour là dans la chambre. Tu as raison, papa. Non, ne me mettez pas dans vos histoires. Le cœur est déchiré. Le cœur est dévoilé. Qui t'a fait? Là. Mets les enfants de près. Calme-toi. Oui, parce qu'il faut qu'on règle une situation. Si tu es déjà mort, écris-moi. Si tu n'es pas encore mort, écris-moi. C'est un message pathétique. C'est pas pathétique, c'est douloureux. Eh bien, chers auditeurs, nous espérons que vous ferez le nécessaire pour aider Jean-Michel Cancan, un homme éploré, à retrouver sa chère épouse qui se trouve en ce moment à Paris. Et si vous avez des informations concernant cette femme, n'hésitez pas à nous écrire à Radio Continental qui transmettra. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Merci. Ce qui m'arrive me dit que mon nez a sonné. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Apporte-moi la corde de la chèvre qu'on avait égorgée les jours de Noël. Je crois que ça va servir à mon frère. Tu me vois en train de partir et suspendre les mouches sur moi. Gobion,
Les lacos. Ce matin, j'arrive. Je regarde le crew me regarde. Où est l'argent? Je ne vois plus rien. Il m'a déjà tout pris. Je dis, il a laissé ses pieds là-bas. Tu es sûr de ce que tu dis? Ce sont ses pieds. Vous voulez parler sans doute de ses empreintes? Ouais, parce qu'il a tout couru après la pluie. C'est son pied que j'ai vu. Parce que moi, je ne comprends pas. Quelqu'un est là, il mange bien. Il dort bien. Il boit bien. Même la nuit, en tout cas. Mais il ne se plaint pas. C'est le jour qu'il est seulement un peu malade ou bien il a un petit problème qui commence à dire que je veux me suicider.